Padawam, épisode 5, SOS Fantôme, le jeu vidéo. Salut les jeunes, c'est la foi ici. Aujourd'hui vous constaterez que j'ai une voix un petit peu particulière parce qu'on tourne entièrement en direct. Évidemment pour vous c'est du différé, mais on s'en fout complètement. Je voulais vous dire un truc avant de commencer cette émission super spéciale. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui s'appelle Ed sur Dailymotion qui fait 8 S sur 10 sur de la Super Nintendo? C'est n'importe quoi, il m'a l'air super gratiné ce gars-là. Al, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur son cas? La force de l'audimat est avec lui. Ouais, enfin on n'a pas filé un Oscar à Taxi 4 parce qu'il avait fait de l'audience. Enfin bref, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur lui? Affirmatif DG, Edge a commencé sa carrière sur SNES FR et a explosé aux yeux du public avec ses émissions de jeux vidéo sur Dailymotion. On l'a notamment retrouvé bourré avec un bol de couscous et un pad SNES à Seine-Saint-Denis, après une nuit de tournoi sur un portage pirate Super Nintendo de Dance Dance Revolution, le célèbre jeu de danse. Ok, merci beaucoup Al. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, émission très très spéciale puisqu'on va tester SOS Phantom sur Xbox 360 et aujourd'hui, j'ai un expert dans la matière de SOS Phantom pour nous éclairer sur ce jeu superbe qu'est SOS Phantom, et j'accueille Death Slayers. Vous inquiétez pas, il met un petit peu de temps à arriver. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow, t'es sûr que t'es humain toi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un détecteur de fantômes. Oh putain, vous constaterez qu'on est hyper au point pour la synchro avec Death. On se connaît depuis très longtemps, on est potes depuis la maternelle. Death, est-ce que tu peux te présenter un peu plus? Alors, Death Slayers, 23 ans, célibataire pour les intimes. Voilà, je suis acteur depuis 2006 et puis j'ai l'honneur justement d'être dans son émission. Et ça me fait super plaisir d'accueillir Death parce qu'il n'y a pas mieux pour SOS Phantom parce que personnellement, j'y connais pas grand chose. Mais alors, Death, je peux vous dire, il m'a bluffé. Regardez son costume magnifique. Hey. Death, maintenant on va écouter mon robot. Al, tu nous en dis plus sur le jeu? Bien sûr, DG, Ghostbusters, The Video Game, en français SOS Phantom, le jeu vidéo, adapté de la célèbre saga cinématographique du même nom, est un titre développé par Terminal Reality et édité par Atari. Il est sorti sur pratiquement tous les supports de son époque simultanément dans le monde, en juin 2009 et novembre 2009. Nous nous intéressons ici à la version Xbox 360, la version ultime du soft, plus fine et moins buggée que ses consoeurs. SOS Phantom le jeu vidéo est un jeu d'action à la troisième personne dans lequel on retrouve nos quatre casseurs de fantômes préférés, Peter, Ray, Egon et Winston. Def, en tout cas je suis super content de t'avoir dans l'émission, ça me fait super plaisir. Moi aussi, je suis super content. J'ai entendu dire que tu voulais jouer dans SOS Phantom 3. Ah oui, ça c'est l'un de mes plus grands rêves, franchement. Eh ben j'espère que ça va se faire parce que franchement quand je vois un truc comme ça me fait rêver. C'est quoi ton accessoire préféré sur ta combinaison? Ah, le PKE. Le PKE, est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, succinctement? Succinctement. Le psychotensiomètre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un détecteur de fantômes. Tout simplement. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Incroyable. Et donc là, on voit une petite diode en fait. Oh putain, et là, c'est en train de détecter un fantôme. Voilà, c'est ça. Un peu comme tout à l'heure. Oh putain, mais. Ça retombe sur toi, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est que ce délire, mais j'espère que c'est pas du vrai, hein. Bon écoute Def, ce que je te propose c'est qu'on teste SOS Phantom sur Xbox 360 parce que c'est pour ça que t'es venu, tu es un expert dans le jeu. Ouais, Tu l'as fini à combien, 100%? Ouais, à 100% oui, avec tous les bonus. Tous les trophées et tout. Voilà, tous les trophées. Malheureusement ce qu'il faut dire, je sais pas si ça vous intéressait, en fait Def m'avait amené sa Xbox, mais il se trouve qu'on n'a pas la même Xbox, c'est-à-dire que moi j'ai une Xbox que je dirais normale, et lui il a la Xbox Slim. Et c'est une honte, le câble d'alimentation n'est pas le même. Du coup on a dû jouer sur ma Xbox avec zéro sauvegarde. Mais c'est pas grave, le test va être mortel malgré tout. Donc on va passer directement dans le test du jeu. Donc est-ce que tu me cadres bien? J'accueille SOS Phantom le jeu vidéo. Magnifique. Donc comme d'habitude, notice et jeu. Bon ça c'est un peu barré mais notice et le jeu. Quand même tout le temps. Def, est-ce que t'es impatient franchement d'y jouer? Franchement ouais. C'est l'un des meilleurs jeux qui existent. Enfin du moins pour les fans de SOS Phantom.
Très bien, et ben on va voir ça tout de suite si tu dis vrai. Et c'est parti, maintenant. Et c'est parti. Donc Dev, tu m'as dit qu'il y avait un truc qu'il fallait absolument pas louper dans cette intro. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors c'est le logo personnalisé de Terminal Reality. Donc Terminal Reality, les développeurs de cette version SOS Phantom sur Xbox 360. Et donc tu me dis qu'ils l'ont personnalisé? Voilà, exactement. Et franchement, c'est magnifique. Juste pour le jeu. Donc on va se taire et on regarde. Ah ouais, pas mal, ça claque hein. Ouais, mais franchement, c'est terrible quoi, ils ont super bien travaillé. Ah, Infernal Engine, ça c'est le moteur du jeu, c'est ça? Ils ont fait un moteur spécial physique pour le jeu. Oui, exactement, et il y a plusieurs sponsors. Atari, ah, j'aime pas Atari. T'aimes pas? Non, parce qu'ils ont foiré les DBZ. Oh putain, le logo Columbia. Ouais, ouais, non mais sincèrement, c'est pas mal, il y a plusieurs... Ça c'est fait comme un film en fait. Oui, bah exactement, oui, on a l'impression de se regarder un troisième opus. Voilà, voilà, un petit peu le troisième opus qui n'a toujours pas vu le jour. Ah ça c'est excellent, ils ont repris, en plus c'est même pas fait façon jeu vidéo, c'est qu'ils ont repris vraiment le logo qu'on voit des films, dans les films quoi. Voilà. C'est énorme. Et c'est quoi ça? Alors ça c'est une autre production. C'est encore un autre sponsor? Voilà, exactement. Il y a combien de sponsors? Mais attends, ça fait 3-4 trucs qu'on se tape là. Ah oui, oui, non mais... Ils sont... Ah c'est Sony, d'accord. Ah mais le jeu il a eu un gros financement quoi. Un gros financement pour si peu de monde. Et il y en a encore. Voilà. Oh, ouais. Eh, on dirait les rasoirs là. Mais ouais, les gilets. Oh là là. Oh, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais... Bon allez, on va partir dans le jeu direct. Je propose juste qu'on se mate l'intro avant, qu'est-ce t'en dis? Let's go Ghostbusters. Des bruits étranges vous réveillent la nuit? Est-ce que vous avez peur quand vous êtes au sous-sol ou dans le grenier? Vous ou votre famille, avez-vous vu un spectre, un fantôme, un revenant? Si la réponse est oui, n'hésitez plus. Prenez le téléphone et appelez des professionnels. Appelez-les. SOS Fantôme. Nous sommes là pour vous croire. Réduction famille nombreuse. Renseignez-vous. Oh, Russell, dis. C'est près de l'aile Est. Ouais. Dans la salle Godor. Ouais, pourquoi? Quelque chose se dirige droit vers toi. Attends. J'entends quelque chose. Je vais voir. Quelque chose de vraiment effrayant. Je lisais un truc sur Chandor, celui qui avait donc la plupart des objets gozériens. Il était branché au culte... surnaturel. Un gars très bizarre. Ah, pourquoi on n'en parlerait pas à un autre moment? N'importe quel autre moment. Oh! Eh, vous n'avez rien à faire ici. Arrêtez! Def? Ouais? Je te passe mon pad? Terrible! Ah, c'est pour WOM? C'est pour what? C'est ton pad à WOM? Terrible! Donc là, on est parti dans le jeu, et là, Def, c'est toi qui es en train de jouer. Exactement. C'est toi qui as chopé mon pad. Ouais, bah oui, hein, je te l'ai piqué. Et franchement, c'est un honneur parce que t'es mon premier invité dans l'émission, ça me fait super plaisir. Donc tu t'y connais à fond sur le jeu, donc là, dis-moi où on est. Donc là, on se trouve dans la caserne des pompiers, le QG de SOS Phantom. D'accord, ah oui, c'est dans une caserne des pompiers, je savais même pas ça. Ouais, ouais, c'est. Ah putain, et donc là, c'est les chiottes des pompiers, c'est ça? Oui, enfin, on va dire plutôt la salle de bain. Ouais, d'accord, ouais, ça ressemble à une salle de bain de pompiers, ouais, d'accord. Oh putain, et la rampe des SOS Phantom, ça c'est énorme. Ouais, bah ouais, mais bon, attends, est-ce qu'on peut la prendre? Ouais, ouais, bah attends, on va descendre, tiens. Ah, on peut ouais, tu peux la descendre là? Ouais, ouais, je la oh, prends. Oh putain, énorme. Ah, ça c'est trop fort comme clin d'œil. Ah, ouais, mais franchement, il y a plein d'interactions dans la caserne, ça a découvert. Oh, et là, c'est la peinture du dos là. Ouais, ouais, c'est la il s'appelle comment déjà? Vigo. Vigo de quoi? Vigo des Carpates. Ah putain, Vigo des Carpates, oui, le méchant du dos là, le gros. Ouais, ouais. Ah, c'est énorme, il y a plein de clins d'œil donc au premier et au deuxième opus. Voilà, c'est à redécouvrir, hein. On peut revisiter et, la caserne. Et la bagnole d'SOS Fantôme, culte. Voilà. Elle s'appelle comment culte. Alors, Lecto 1B. Lecto 1B, d'accord. Mais tu m'avais dit qu'en fait, elle avait plusieurs noms. D'accord, donc en fait, il s'agit en fait de plusieurs Lectos. Alors, dans le premier film, il s'agit de Lecto 1. D'accord. Dans le deuxième, Lecto 1A. Ouais. Et dans, on va dire, ce troisième opus qui n'est pas... C'est Lecto 1B, quoi. C'est la dernière. Voilà, dernier exactement. Modèle qui sera peut-être employé, du coup, dans le troisième film, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc là, je vois qu'on arrive à l'hôtel. L'hôtel Sedgwick, oui. D'accord, donc... Là, c'est l'hôtel du premier opus, en fait. Oui, exactement. C'est l'hôtel, en fait, où ils découvrent Bouffetou.
Enfin, le Slimer, quoi. Oui, Slimer, oui. C'est ça. Et donc, du coup, il y a un truc que je comprends pas. Ça se passe quand exactement ce jeu SOS Fantôme? Chronologiquement. Chronologiquement, ça se passe après le deuxième film. Ça se passe après le deuxième. Mais là, on revient dans les pas du premier. C'est ça qui est bizarre. Bah, en fait, il y a toute une histoire qui est agencée, quand on redécouvre et tout. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais en fait, c'est très concordant, en fait. Comme d'accord, c'est dans la lignée des autres. Voilà, et en fait, exactement. C'est là en tant que clin d'œil, finalement, pour les fans, quoi, en gros. Oui, en gros, oui. Mais c'est pas un petit peu de la redite, quand même. J'ai l'impression qu'ils ont un peu joué la facilité, eux, plutôt que de réinventer. Enfin, ceci dit, c'est très bien fait. Graphiquement, déjà, ce qu'on voit, c'est sorti en 2009, comme nous a dit Hal. Et ce qu'on voit de direct, c'est que c'est super bien fait. Enfin, graphiquement, c'est vachement bien. Oui, mais. Parce que attendez, excuse-moi. Faut pas oublier que c'est une licence. Et qu'en général, les jeux à licence sont très mauvais. Enfin, en règle générale, il y a eu quelques exceptions, comme GoldenEye, évidemment. Le King Kong de Peter Jackson était pas mal. Et là, j'ai l'impression que ce Ghostbusters est totalement dans la lignée des films. Enfin, des jeux vidéo qui ont été bien adaptés, quoi. Ils se sont pas foirés, j'ai l'impression. Graphiquement, c'est très joli. Et les musiques sont là, quoi. Les musiques, c'est totalement là. Oui, mais ce qui est pas mal. Alors, aussi, t'es en train de me montrer quoi, là? Là, j'ai vu que t'as appuyé sur pause. Ah oui, je suis en train. En fait, il y a plusieurs possibilités dans le jeu, ouais. Dans le jeu, ouais. On peut acheter des accessoires et autres. On peut redécouvrir aussi. Alors, il y a des objets cachés qui peuvent être montrés par. Alors, c'était ton PKE, en fait. Voilà, c'est mon PKE qui permet de trouver aussi bien les objets cachés que les fantômes. C'est le truc que tu m'as montré tout à l'heure et qui a montré aux spectateurs que j'étais en fait un fantôme. Voilà, parce exactement. Parce que je suis la résurrection de Ramsès II, en fait, je crois. Ah. C'est une rumeur. C'est une rumeur. Ouais. Et donc là, voilà, tu montres quoi, là, on est des artefacts. Voilà, c'est des artefacts, en fait, qu'on leur retrouve dans plusieurs lieux. Alors, ils sont cachés, bien évidemment. C'est à nous de les trouver et grâce au PKE. Et ça permet d'augmenter la durée de vie du jeu, en fait, non? Non, c'est juste que ça permet de débloquer en fait des succès. D'accord, donc là c'est les objectifs, donc là suivre Ray et bien écouter ce qu'il vous dit. Bah oui, il faut pas se planter là. Voilà. Donc là, ectoplasme. Alors là, nous avons le guide spirituel. Alors quand on commence à regarder, il y a le détail des fantômes et tout, c'est assez sympa. Ah, c'est super ça, c'est une encyclopédie des 60 fantômes. Voilà, exactement. Avec la définition et tout ça. Dès qu'on trouve de nouveaux objets ou dès qu'on trouve quelque chose, et ben nous avons une encyclopédie qui apparaît. Avec les explications et autres. Ah, ça c'est très complet. Ça j'aime bien en fait. Ça c'est un truc que je trouve supérieur par rapport aux jeux rétro. Voilà, parce que moi je suis pas du tout fermé aux jeux rétro comme on pourrait. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec mes premiers tests, c'est qu'en fait avec les jeux nouvelle génération, ils mettent beaucoup de bonus, beaucoup de goodies. C'est un petit peu comme dans Arkham Asylum finalement où il y avait énormément de bonus quoi, c'est ça hein. Exactement. Et ça c'est vraiment sympa pour un fan quoi. Donc voilà, donc là t'es en train de me montrer encore un didacticiel, donc là en fait tu me fais le tour de menu quoi. Voilà, c'est pour vous montrer que le menu est quand même assez grand. D'accord. Qui est assez sympa pour les fans justement. Nous avons aussi le coût des rapports des prix. Puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on capture un fantôme ou quoi que ce soit, on récolte de l'argent. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut intervenir aussi sur les. Sur les objets qui se trouvent à l'intérieur, et si on les casse, bah c'est pour nous. Et donc là, t'es parti sur une capture de fantôme, là, direct. Voilà, exactement. Ah là, énorme. Donc là, t'es en train de capturer un fantôme. Là, on essaye du moins de se débarrasser de tous ces fantômes. Avec ton proton pack. Avec le proton pack, exactement. Mais en français, ils disent pack de protons. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, tu me dis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Death est un inconditionnel de la VF de SOS Fantôme. Tu l'as jamais regardé en VO, c'est ça? Non, c'est ça, ouais. Mais pourtant, t'emploies tous les mots anglais, c'est ça qui m'a fait rire. C'est qu'en fait, dans la version française, ils disent pack de protons, mais toi tu dis proton pack, bouffe tout, il s'appelle le Slimer. Voilà, exactement. Et aussi, bah, le piège à fantômes, je dis ghost trap. Ah voilà, donc toi t'es vraiment un puriste, t'emploies les mots anglais, le vrai sens, mais tu regardes la VF. Voilà. Alors, si on parlait un petit peu de la VF d'SOS Fantôme d'ailleurs, elle est excellente. Ouais, franchement, c'est nickel. C'est l'un des rares films, d'ailleurs, qui possède justement une VF assez d'aussi bonne qualité, c'est voilà, clair. Ouais. Un petit peu comme les Retours vers le futur, c'est culte, hein, avec oui. Pierre Hatté qui fait la voix de Doc dans Retour vers le futur. Exactement. Il est excellent. Et là, dans SOS Fantôme, on a Richard Darbois qui joue Dan Aykroyd. Donc Dan Aykroyd qui est le professeur, le docteur Ray. Raymond Stans. Raymond Stans, oui, voilà. Je connais pas tous les noms par cœur, je les connais presque tous, les SOS Fantôme. Attends, il y a quoi? Il y a Ray, il y a Winston, il y a Egon et il y a Peter, c'est ça? Peter c'est Rickman. Ça, ah voilà, quand même, je m'y connais un minimum. Ah, faut savoir au moins quelques personnes. Et donc voilà, Richard Darbois, vous le connaissez forcément, bah, c'est un mec qui est devenu de plus en plus connu. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est que les doubleurs, ils commencent à avoir une vraie deuxième vie. Ils ont notoriété maintenant, on les connaît beaucoup plus qu'avant. Richard Darbois, c'est évidemment le mec qui a doublé Buzz l'éclair dans Toy Story. Ouais. Batman aussi dans la série animée. Il a fait aussi, je crois qu'il fait des VF de Mel Gibson et tout. Et alors là, en fait, il y avait un dilemme pour le jeu, tu veux l'expliquer peut-être?
Parce que là, je parle beaucoup, mais... Non. Là, oui, là, t'es en train d'utiliser ton PKE pour trouver un fantôme. Ouais, pour trouver un fantôme, parce qu'il faut savoir qu'il faut vraiment chercher, quoi. Il y a vraiment des recherches à faire, et plus on scanne les objets, plus on ramasse de l'argent, et plus on permet d'acheter les améliorations plus vite. Puisqu'il faut savoir que pour pouvoir réussir au plus loin des niveaux, il faut avoir quand même certaines améliorations. Ça, c'est du très classique, c'est comme dans tous les jeux maintenant, c'est qu'en fait, tu boostes tes armes, t'as des améliorations, t'as de l'argent... Comme dans Dead Space, par exemple, Resident Evil 4. Voilà, c'est un truc qui était vraiment lancé avec Resident Evil 4, il me semble, cette mode d'upgrade. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est un des premiers jeux. Oui, puis c'est vraiment interactif quand on peut regarder. Par exemple, c'est interactif, par exemple. Montre-moi de l'interactivité dans ce décor. Voilà, par exemple, on peut casser les objets. Ah, ça, c'est pas mal. Non, parce qu'en fait, là, je sors d'un jeu qui s'appelle Deadly Premonition que j'ai testé la semaine dernière. On pouvait rien faire bouger dans le décor. Non, c'était bien. Totalement ininteractif. On peut y laisser ses marques sur les murs aussi, c'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. Et ça, puis, franchement, par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand on détruit justement les objets, nous avons le total des casses, justement. En haut à gauche de l'écran. En dollars, voilà. D'accord. Et c'est, malheureusement, ça joue sur les améliorations. Alors, on peut aussi déplacer des objets grâce à l'effluve de capture que l'on peut utiliser. D'accord. Ah mais ouais, c'est super interactif, ça me plaît. Ça, voilà. ça c'est franchement, il donne envie. Mais quand on regarde les détails sur les persos, le proton pack par exemple, les jets d'éclairs là comme ça pour capturer les fantômes, c'est hyper fidèle. Enfin, on se croirait carrément dans le film. C'est limite, si les effets spéciaux du jeu vidéo sont mieux faits que le film quoi. Parce oui. que j'ai revu le 1 récemment, franchement, il a mal vieilli. Enfin, certains effets, je veux dire les fantômes, le laser et tout, ça fait un petit peu nanar parfois. Oh non, je trouve que... Ah, je te choque là, j'ai envie ouais, de te ouais. choquer. Ouais. Non mais franchement là, parce que en fait, pour moi, il a pas mal vieilli du tout, bien au contraire. Je trouve que c'est resté très très culte et voilà pour l'époque en tout cas, même si tu trouves que ça a très très mal vieilli, on peut les effets spéciaux, hein, pas le film, les effets spéciaux. Je trouve que c'est un petit peu daté maintenant, je trouve. Oui, mais c'est un charme, hein, je dis pas c'est un charme. Moi j'aime bien les futations, attends, j'adore ces films, hein, c'est pas un problème. Sinon je t'aurais pas invité, j'aime beaucoup SOS Fantôme. Ouais. Mais je trouve que le 1, pas le 2, mais le 1 a un petit peu vieilli. Alors vas-y, voilà. Raconte-moi. Alors là nous avons une scène. Culte. Ah, là, culte, culte, oui, parce que en fait on se retrouve plongé dans l'univers de SOS Phantom 1. Alors bon, là il s'agit d'une bar mitzvah. Ah, la bar mitzvah, ouais. Voilà, et sérieux, on peut détruire les objets autour, c'est sympa. Et on se retrouve vraiment dans cette scène là. Alors pourtant, qui n'est pas vraiment fidèle au film, puisque là on se retrouve pas avec Egon et tout ça, on est juste avec Peter Venkman en train d'essayer de capturer Slimer. Ah oui, voilà. C'est vrai, dans le film, oui, ils sont tous là dans le film, oui, avec le Ghost Trap. Sauf Winston, bien sûr, qui arrive. N'a pas encore rejoint l'équipe. Voilà. En fait, Winston, qui est un petit peu le gars qui rejoint l'équipe juste pour la thune, quoi. C'est pas une vocation pour lui, en fait. Disons que c'est un peu complexe, le personnage de Winston, c'est-à-dire qu'il apparaît pas souvent. Ouais. Mais les peu de fois où il apparaît, a quand même un ça, sens. Ça, je me rappelle le Ghost Trap quand il... Ah, ça, c'est exactement voilà. Le film, ça. Ah, là, ça, nous l'avons capturé, maintenant, faut ramasser pour pas l'oublier. Mais Dev, quand tu seras mort, comment ils vont t'appeler tes proches? Bah, défunt. Un défunt. Il y a des dauphins aussi dans le jeu, non? Non. Non, pas du tout, hein. Ah, ok. Donc là, on a zappé sur une autre scène. Ouais, exactement. Oh putain, et là, c'est Titanic, là. Non, ah, c'est énorme. Alors, c'est une autre partie de l'hôtel, justement, où on est à la recherche d'un fantôme. D'accord. Un fantôme boss, on va dire. Et... Mais graphiquement, ça dépote, hein, franchement. Bon, après, bon, j'ai fait les derniers jeux qui sont sortis comme Dead Space 2. Qu'est-ce que je me suis fait d'autre? Je me suis fait Demon's Souls aussi. Bon, pas forcément un aboutissement graphique, mais il était quand même excellent. Mais là, c'est vrai que malgré tout, même si je me suis fait les derniers jeux de génération actuelle, bah franchement, il m'en met plein la vue sur les SOS Fantômes. Enfin, c'est surtout qu'en fait, je me disais, c'est un jeu à licence et j'avais peur qu'il soit pas à la hauteur. Mais il est carrément à la hauteur, je veux dire, les. L'eau, bon, c'est pas l'eau qui m'impressionne, si tu veux, c'est l'animation, c'est le nombre de détails à l'écran et c'est surtout la fidélité de la modélisation des personnages. Ça, c'est vraiment. En plus, le PKE. Ah, ça, j'aime bien, tu passes en mode FPS, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, et puis t'as des recherches qui est pas mal. Malheureusement, tu as des mauvaises surprises, quoi. Alors, il y a des trucs que tu peux scanner, mais c'est des fantômes cachés. Hey, Dev. Ouais. Quand tu te fais des pâtes fantômes, tu mets quelle sauce? Je sais pas. Bah, de la sauce fantôme. Ah, là, on se tape une belle cinématique. Exact. Elles sont vachement bien faites et la démarche des persos et tout. Et en fait, ce qu'on peut dire aussi, donc je reviens deux minutes sur le doublage, c'est qu'on disait Richard Darbois, donc il y avait un dilemme, c'est que d'habitude, enfin ça lui arrivait de doubler des films avec Bill Murray comme Un jour sans fin, le très très bon Un jour sans fin que je vous recommande direct. Et en fait, là le problème, c'est qu'il doublait aussi Dan Aykroyd dans des films. Et là, le problème, c'est le dilemme, ils étaient tous les deux dans le même film. C'est exactement ça. Et donc, du coup, qui c'est qui double Bill Murray? En fait, il s'agit de Bernard Murat. Exactement. C'est Bernard Murat qui double Bill Murray ici. Et Richard Darbois double Dan Aykroyd.
Et en fait, la VF est hyper fidèle au premier film, à part sur la voix de Bill Murray, là, qui est changée, ce n'est plus Bill Murray... Ce n'est plus Bernard Murat, en fait. Malheureusement, ouais. Il a pris sa retraite. Et c'est ce qu'on a un peu peur, en fait, pour un troisième volet. C'est que malheureusement, il n'apparaît pas au troisième volet. Et en parlant... une version française. Exactement. Et en parlant de mec qui a pris sa retraite, malheureusement, il y aura Rick Moranis. Si jamais le troisième film se fait un jour, oui. Et bah, il ne remplira pas parce que lui aussi, il a pris sa retraite pour raison familiale, apparemment. Oui, d'après ce que l'on a compris, oui. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il était vraiment drôle. Enfin, surtout, il est typique. C'est typiquement... un acteur des années 80 qu'on aime retrouver dans ce genre de film parce qu'il jouait dans Chérie, j'ai arrêté les gosses, c'était énorme quoi. Franchement, c'était... Ah oui, non, mais c'était. Chérie, c'était j'ai arrêté les gosses. Ah ouais. Pourtant, c'est des films un peu, je dirais, pour enfants qui ne touchent pas de. Qui n'ont pas de fond commun quoi. Mais c'est vrai que ce genre de personnage est très très bien. Il était emblématique. Et là, donc, on retrouve, faut dire, parce que quand même, on est en train de parler de doublage. On va revenir sur le doublage parce que j'ai encore des trucs à dire, mais là, c'est quoi? C'est quoi le méchant? Là, c'est le méchant du premier, il s'appelle comment? Alors, c'est le Bibadam Shamalow. Exactement, le Bibadam Shamalow. C'est la réincarnation de Gozer. Def, est-ce que tu pourrais me donner une de tes figurines SOS Phantom? Non. Et en parlant de données, j'ai des donuts. T'en veux un? Moi, j'adore les donuts. Oh, terrible! Et oui, même dans Padawan, c'est l'heure des donuts. On s'en fait à la Homer Simpson? Ouh, donuts! Donc on est reparti, excuse-moi je t'avais interrompu pour te filer un très bon donut. Ah, c'est mais pas grave. Tu voulais me parler du Bibadam Shamalow. Oui alors effectivement, il faut savoir que le Bibadam Shamalow est une réincarnation de Gozer, un des méchants que l'on retrouve dans le premier opus. Il faut savoir que malheureusement, la réincarnation peut se faire qu'une seule fois par monde. C'est-à-dire qu'il a la même apparence à chaque fois qu'il réapparaîtra. Donc en fait, il est baisé, s'il veut faire de la muscu pendant 200 ans, c'est fini quoi. Voilà, exactement. Il aura jamais de muscles. Non, jamais. Ah là, ça c'est dommage. Mais bon, il reste quand même terrifiant comme monstre. Oui, enfin, surtout sympathique, je dirais. Et donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu du gameplay, parce que ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'on parle, et on n'a toujours pas parlé du gameplay de ce jeu, donc explique-moi comment tu captures les fantômes. Alors, c'est très très simple en fait, il suffit en fait d'affaiblir le fantôme avec une effluve. Alors il suffit d'actionner la gâchette RT. D'accord. Une fois qu'il est assez affaibli, ce qui est généralement est très très difficile en expérimenté, il faut utiliser la touche LB pour lancer une effluve de capture. Ah donc il y a deux captures différentes, voilà. C'est pour ça qu'il y a deux rayons. Il y a un rayon pour l'affaiblir et une effluve de capture. J'avais jamais compris ça dans SOS Phantom, c'est énorme ce qu'il vous dit, c'est qu'en fait on a deux rayons différents quoi. Voilà, exactement. Par la suite, il faut presser le bouton X. Le bouton X, exactement, pour pouvoir lancer le piège et rediriger le fantôme vers le piège, ce qui n'est pas évident puisque le fantôme se débat. D'accord, donc ça reste finalement un truc qui est relativement simple. Est-ce qu'on se lasse pas un petit peu au bout de 8 heures? Tu m'as dit que c'était quoi la durée de vie? 8 heures de jeu, disons Je crois que ouais, c'est 8 heures de jeu à mon avis. D'accord, pas très est-ce sûr. Que c'est pas un petit peu lassant à la fin de faire tout le temps de la capture comme ça avec un gameplay qui est relativement alors, limité quand même? C'est sûr que le problème du gameplay il est très très limité, mais pourquoi? Parce que Ghostbusters c'est très très simple, hein. C'est juste de la capture de spectre tout compte fait. C'est vrai qu'il faut vraiment être fan pour pouvoir s'intéresser à l'univers de SOS Phantom. C'est très très lassant pour les gens qui ne connaissent pas ou quoi que ce soit, qui n'aiment pas les jeux répétitifs. C'est vrai que bon, on peut utiliser d'autres armes, ça malheureusement on peut pas le voir puisque malheureusement le temps est trop court pour nous pour pouvoir tout voir. Mais si vous avancez plus loin dans le jeu, vous pouvez utiliser de nouvelles armes, ce qui est intéressant. Ouais, mais ceci dit, moi ça me donne déjà envie de plonger dans le jeu. La réalisation graphique est quand même très très poussée. Oui, et puis c'est assez fidèle. Ouais, c'est vachement fidèle, c'est ça. C'est que franchement, quand on voit la modélisation des personnages, de la ville de New York, les effets de particules, même le Bibadam Shamalow, c'est excellent, c'est super bien fait quoi. Ah ouais, non, mais franchement, y a rien à redire. Hein. Seul le fait peut-être. Même les musiques sont présentes quoi. Les musiques originales, le thème de Ray Parker Jr., il est présent aussi. Donc ça c'est vraiment très bon. Le seul point négatif que je reproche à ce jeu, c'est qu'on peut pas jouer en multiplayer. Ah, il y a pas de multi. Non, ah, ça c'est dommage. Le multi en fait ne s'apparente malheureusement qu'au live quoi, c'est-à-dire que sur internet. Donc il faut un abonnement internet pour pouvoir jouer le Xbox Live en l'occurrence, mais sur les autres machines après c'est autre chose. Et oui, d'ailleurs en parlant de ça, c'est qu'en fait moi je dis d'autres machines, c'est parce que ce jeu est quasiment sorti sur toutes les machines existantes. Oui, effectivement. Et apparemment, selon toi aussi, la version Xbox 360 c'est la meilleure. C'est l'une des meilleures, exactement, graphiquement ouais. Et il est très très bon. C'est le plus complet de toutes les versions. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'il y a deux studios en fait, il y avait deux studios qui ont développé deux versions différentes. Il y avait la version console Xbox 360, PS3, PC. Apparemment la version PC n'était pas super bien optimisée, tu m'avais dit. Ouais. Et puis il y avait une version pour les consoles portables avec la DS,
et la PSP, deux studios différents à chaque fois. Donc là c'était quoi, Terminal Reality pour celui-là, et puis il y a l'autre. Ouais, l'autre, j'ai oublié le nom. Oui, pas... moi aussi. Apparemment, c'est des dômes. Hein. Enfin, c'est ce que oui, j'ai oui, entendu. Enfin, c'est... Et il y a la version Wii aussi qui était entre les deux. Entre les deux. Ouais, pas terrible. Mais il faut savoir que si vous choisissez par exemple la version PS3 ou la version Xbox 360, malgré que la Xbox 360 soit meilleure au niveau graphique, il faut savoir que la PS3 a le don d'avoir des bonus un peu supplémentaires par rapport à la Xbox. Ah d'accord. Donc par exemple le making of ou d'autres mais là, d'autres bonus. T'es en train de le charcuter le chamallow. Ah oui le non mais c'est clair là, il s'en prend plein la gueule. Ah, mais on l'a jamais vu comme ça dans les films et ça c'est mal. Donc en fait il y a des gros clins d'œil et en plus ça va plus loin que les films presque quoi. Presque c'est oui. C'est plus impressionnant. Part. C'est un peu c'est pareil quand on retrouve l'hôtel Sedgwick et d'autres lieux de Ghostbusters 1, on redécouvre un peu plus puisque les lieux sont un peu plus approfondis, on peut voir beaucoup plus que le lieu approfondi. C'est un peu plus approfondi, je dirais. Et d'accord. C'est ce qui est pas mal. C'est pour ça que même si on se retrouve avec des lieux qu'on avait déjà vus dans SOS Phantom 1, là, justement... Ah ouais. Et ça, c'est du pur fan service. Mais en même temps, je dirais même, franchement, moi, j'aime beaucoup. Hein. Je me considère pas comme un fan de SOS Phantom, mais honnêtement, quand je vois le jeu, j'ai trop envie d'y jouer, quoi. Donc je pense que même pour ceux qui aiment juste un peu l'univers, il faut sauter dessus. On va dire que c'est quand même le meilleur jeu SOS Phantom qui a été fait jusque là. Oui, c'était le meilleur. C'est le plus complet. Puis il faut savoir. Toi, t'es un fan fini, donc tu peux me dire franchement pour toi c'est le meilleur. Voilà. Oui, voilà. Puis c'est vrai que moi je trouve ça dommage de la façon dont, dont il a été noté, puisque. Ah oui, il a eu des notes un peu moyennes. Quoi. Voilà. Oui, et puis il faut dire aussi que bon. Comme enfin, quand on dit moyenne, c'est relativement bon, mais c'est pas top, c'est pas 18 sur 20 quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il a été vraiment classé au bas niveau par rapport à ce qu'il était. Ça, je trouve ça dommage. En général, je trouve que les testeurs font pas super bien leur boulot. En tout cas, maintenant, je veux dire, il y a 10 ans, alors là, je sais pas si tu lisais comme moi console plus joypad et tout, il y a 10 ans, quand un jeu était testé dans un magazine, il y avait une espèce de respect pour les jeux vidéo à cette époque, un grand respect qui faisait que les jeux étaient notés entre 70 et 100%. Dans console plus, c'était le cas. Dans le joypad, bon, ils étaient un peu plus sévères, mais dans Player One, c'était pareil, c'était en général entre 70 et 100%. Il y avait que les mégadopes comme Superman 64 qui avaient, on va dire, des 50%, 40%, tu vois. Ouais. Mais il y avait un respect, tu vois, c'est-à-dire que 70%, c'est quoi? C'est 14 sur 20. Alors que maintenant, quand on va sur jeuxvideo.com, Gamecult, etc., on a vraiment un espèce de non-respect des jeux. SOS Phantom, il a eu une note qui est relativement moyenne par rapport au jeu. Ce qu'il vaut, oui. Voilà, parce qu'il a eu 15 sur 20, par exemple, sur jeuxvideo.com. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même... Non, franchement, c'est très très bas en sachant que l'univers est respecté, que tout est respecté en fait dans SOS Phantom. Donc pour moi, quand à partir du moment où le jeu vidéo est très très respecté par rapport à l'univers du film, je trouve qu'il est très très bien fait. Je pense que s'il avait été noté dans les années 90, il aurait eu un quoi, un 93-94%. Puis il faut savoir aussi qu'on note généralement le jeu à son gameplay, mais faut avouer aussi que le plus important c'est qu'il soit fidèle à l'univers que l'on propose, c'est-à-dire voilà. Qu'il y a des jeux vidéo comme par exemple Iron Man ou d'autres comme les Marvel et tout ça où les lieux ne sont pas respectés, c'est pas assez soigné, ouais. Où tout n'est pas respecté et pourtant ils ont eu des meilleures notes alors que pourtant là tout y est. Malheureusement, c'est vrai que je reproche bon qu'il n'y a pas de multijoueur, ça je peux le concevoir, mais sinon tout y est. Et surtout, attends, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que ce jeu il a été écrit par les mecs qui ont écrit SOS Phantom 1 et 2. Voilà, c'est-à-dire Dan Aykroyd et Harold Ramis, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y aura un GB3, bah. Un GB3 voilà, quoi. Ouais, c'est clair, non, mais il y aura un Ghostbuster 3, voilà. On va dire que c'est vraiment un jeu qui fait le pont entre le 2 et l'Evental 3, quoi. Voilà. C'est vraiment un jeu sur l'univers étendu des SOS Phantom, je crois qu'on peut le dire. Hein. Oui, c'est, oui, ça c'est ça, oui. Et c'est un pur jeu de fan, et moi je vois ça, ça me fait super plaisir. Je crois qu'on a parlé de quasiment tout graphiquement, c'est nickel. Ouais. Le gameplay, il est simple, mais il est quand même très très bon si on est un fan. Les persos, super respectés, hein, je sais pas ce que t'en penses. Oui, ça. N'hésite pas, je suis désolé, je te coupe non, souvent non, la parole. Non, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que c'est vrai que c'est très très respecté, et d'ailleurs, pour moi, ça me fait très très plaisir de les voir, parce que bon, là, on le voit sous forme de troisième opus, puisque malheureusement... Surtout quand il est sorti en 2009. Voilà. Et à l'époque, c'est ça, en fait, pour les fans, c'était un petit peu le 3 qu'ils pouvaient pas faire en film. Voilà, c'est exactement ça, et puis bon, l'histoire est super bien ficelée. C'est vrai qu'il y a des clins d'œil, bon, il en fallait quand même. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous jouez à ce jeu, franchement, visitez la caserne de fond en comble, il y a des surprises. Ah, il y a des grosses surprises. Il y a des petits goodies pour les fans. Ah oui, et puis surtout, en fait, il y a vraiment, vraiment des clins d'œil, aussi bien au film qu'au dessin animé.
Ah, le dessin animé, c'est vrai, on en a pas trop parlé. Bon, après, moi, je suis pas très connaisseur, j'ai regardé que les films, oui, j'ai un tout petit peu regardé le dessin animé. Moi, ça me paraissait pas être terrible, mais après, toi, t'es un vrai fan, donc dis-moi ce que t'en penses. Je pense que la vie des fans est plus importante dans ces cas-là. Ouais. Même si vous êtes, on va dire qu'un fan, c'est toujours un peu moins objectif, mais finalement, si on adhère à l'univers, je crois que c'est le plus important. Oui, donc, voilà, pour toi, ça vaut quoi le dessin animé? En deux mots, hein. Pas trop long, parce qu'on teste le jeu quand même. En deux mots, le dessin animé, moyen. Moyen? D'accord. Moyen, ça fait qu'un mot, mais. Il y a des moyen. Épisodes satisfaisants et d'autres pas terribles. Voilà, disons que bon, c'est plus un univers pour les enfants, le dessin animé, ça a été fait pour vraiment les plus petits, donc c'est vrai que ça fait un peu gnangnan quand on les regarde. Mais sinon, dans le fond, on se retrouve bien dans l'univers. Il y a 2-3 incohérences, bien sûr, par rapport au film et au dessin animé, mais ça, on n'y échappe pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit des films, des univers différents, on peut pas y échapper, il y a des incohérences partout. Ah ouais, forcément. Donc, on peut pas tout avoir, même les réalisateurs, ils ont beaucoup de mal. Des fois à écrire les textes et tout ça, et des fois ils se souviennent plus forcément de ce qu'il y avait ou non. Exact. Et donc ils font en fonction de l'âge de diffusion, c'est-à-dire que pour le dessin animé, bah, ils ne pouvaient pas mettre vraiment l'humour de Bill Murray, puisqu'il est un peu potache par rapport aux jeunes. Bill Murray d'ailleurs qui a signé apparemment pour SOS Fantôme 3 après beaucoup de négociations. Après beaucoup d'hésitations, je dirais, puisqu'à la base, il n'était pas partant au départ pour jouer dans un deuxième opus. Ah bah ouais. Faut savoir que Bill Murray n'aime pas les suites, voilà, c'est ça. Et maintenant, apparemment, et ce qui est dommage, c'est qu'il décide une fois qu'il est âgé. Et ça, c'est vraiment dommage. Bah, il a une notoriété maintenant, il a une image, et il se dit, je peux les faire patienter, quoi, en gros. C'est un voilà, peu. En gros, c'est ça. Et puis, bon, on espère quand même le revoir d'ici un troisième opus. Mais je pense qu'à mon avis, ça tournera plus vers des nouvelles recrues que sur les Ghostbusters principaux. Un petit peu comme là, parce que finalement, ce qu'on n'a pas trop insisté là-dessus, c'est qu'on dirige une recrue. Et tu m'as dit que c'était frustrant parfois parce qu'on ne dirige jamais les autres persos à part online, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Exactement. Et tu m'as dit qu'il y avait un truc qui était super frustrant, vas-y, excuse-moi. Bah, il y a un truc qui est frustrant dans le genre où on dirige une recrue, mais on peut diriger les personnages que dans le live, quoi. Et surtout vis-à-vis de la voiture? Vis-à-vis de la voiture, oui, on peut pas la conduire, cette voiture. Ah, ça me fout les boules. C'est comme dans Batman Arkham Asylum, on te donne la Batmobile, enfin, tiens, on te la montre. Ouais, ouais. La Ghostbuster, c'est pareil, on l'a vu en intro. Mais j'ai joué à Arkham. Ouais, et franchement, moi, ça m'a dégoûté de pas pouvoir contrôler la Batmobile dans Arkham Asylum. Ouais, franchement, c'est... Et là, je crois que ça serait pareil dans SOS Phantom. Mais tu sais que dans Batman Begins... Ouais. Vous avez fait un jeu vidéo sur le film. Oui, ça, on pouvait vrai. Contrôler la Batmobile. Ouais, et c'est dommage parce que c'est toujours les jeux les plus pourris. On pouvait contrôler les Batmobiles. Oui, c'est toujours. Pour une fois qu'il y avait un bon jeu pour Batman. Une fois, voilà. Enfin, potentiellement parce que je le trouve pas si bon que ça, Batman Arkham Asylum. Non. Enfin, c'est pas le sujet. Je reviendrai dessus plus tard. D'accord. Il est bien, mais il m'a un petit peu déçu. Mais là, Ghostbusters, franchement, il m'a l'air vraiment très très bon. Je crois qu'on va conclure. Donc vraiment bon à tous les niveaux. La durée de vie est pas mal. Le scénario, oui. Juste un dernier truc, le scénario. Qu'est-ce qu'il vaut? Parce qu'il a été écrit donc par les vrais, par les mecs qui ont fait le 1 et le 2, donc les acteurs du film, Dan Aykroyd et Harold Ramis. Hein, le scénario bien ficelé, puisqu'il y a des intrigues qu'on s'y attend pas. Ouais. Et franchement, c'est à découvrir. D'accord. Je vous en dirai pas plus parce que malheureusement, je spoilerai le jeu. D'accord. Mais... Donc pour toi, même le scénario est bon. Ouais, pour moi, donc il y a quasiment rien à reprocher. Rien. D'accord, ok. À part le multijoueur, mais ça, je le dirai jamais assez. Ça roule. Et maintenant, Def, on va faire un petit quiz parce que Rose, notre accessoiriste, a fait un cadeau pour toi. Enfin, un cadeau, attention, on va voir si tu le mérites. Parce que Al, t'as préparé un super quiz SOS Fantôme. Alors, on va voir si t'es un vrai fan. Et si tu gagnes, tu gagneras le pixel art du logo d'SOS Fantôme. Ok, bah c'est parti. Je vais tenter. Ok, ça roule. Qui chante le générique de Ghostbusters? Ray Parker Jr. Correct. Quel est le nom de la marque de bonbons exclusive au film SOS Fantôme? Stay Puft Marshmallow Man. Bien joué, Def. Quelle est la couleur du slime dans la salle de bain de Dana dans SOS Fantôme 2? Rose. De mieux en mieux. Qui double Bill Murray dans la VF de SOS Fantôme 1 et 2, sachant que Richard Darbois double Dan Aykroyd? Bernard Murat. Affirmatif. Comment s'appelle le personnage interprété par Rick Moranis? Louis Tully. Impressionnant, Def. Quel est le nom du toaster donné par Venkman au toaster dans SOS Fantôme 2? Le toaster parano cannibale. Bravo. Tu as gagné ce magnifique pixel art de Ghostbusters. Il a été fait par Rose. Merci beaucoup. Terrible. Bon Def, aujourd'hui on s'est éclaté, merci beaucoup pour la découverte de ce jeu là. De rien, ça m'a fait plaisir. Et c'est super parce que tu m'as donné envie de redécouvrir SOS Fantôme 1 et surtout SOS Fantôme 2. Ouais. Et j'espère pour toi que tu joueras évidemment dans SOS Fantôme 3 qui sera évidemment un hit.
Ouais. En espérant que pour la nouvelle recrue, ce sera moi. Tu diras bonjour à Bill Murray de ma part. Ouais, sûrement. Et souvenez-vous que dans Padawan, c'est toujours l'heure des donuts. T'en veux pas un petit? Ah, avec plaisir. Voilà, vas-y, un petit donuts pour la fin. Moi aussi, ça me fait plaisir. Donuts, c'est magnifique. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Et surtout, we are gonna call Ghostbusters.